Kouba, Azerbaïdjan, juin 2023. Une mine de rubis est découverte. Le gouvernement d'Azerbaïdjan exploite des prisonniers de guerre arméniens afin de creuser la mine. Septembre 2023. La Mesacorp, spécialisée dans les interventions militaires à vocation humanitaire, encercle l'exploitation minière puis prend possession de la mine par la force. L'armée azerbaïdjanaise intervient avec ses chars, mais la Mesacorp est bien trop préparée. L'armée est détruite à quelques pas de la mine. C'est l'anomie, un no man's land qu'aucune autorité ne comprend. Que sont devenus les prisonniers arméniens ? Le commandement me fait part de la mission confiée à notre escouade. Nous devons prendre position à l'abri des regards et rendre compte au commandement des allées et venues de la Mesacorp. La discrétion, c'est à les agents infiltrés qui sont en train de se faire. C'est passé, c'est. Toute leur expérience, la ville a caché un peu, mais ils ont fait réussir à faire des 30-55. Tu peux l'immobiliser comme ça. Hier, on a récupéré. Un rapide débrief est réalisé, puis nous embarquons vers notre objectif. On va exprès sur la colline qui est juste à côté pour avoir un champ de vision sur en fait tout le chemin. Voilà, on fait d'un repos parce qu'il manque totalement d'informations. Il va y avoir deux gars avec nous. Arrivés sur zone, nous nous déployons sur objectif. La discrétion était primaire. Nous avons ordre de ne pas engager l'ennemi. Il est où ? Popo ? Je suis là, espèce de connard, c'est bon dire. Il faut qu'on descende un petit peu. On est là. Okay. Faut qu'on longe en fait. Par là, cette direction. Ouais, tu vois. Ouais. Il faut se mettre ici, tu vois. Là, à la petite pointe. Tu vois tout là-bas, la petite pointe là ? Ouais. Juste là, dans les buissons là. Il y a un camion qui est là, la M2 qui est juste en contre. Attends, c'est le contact. Oui, sur Arès, il y a trois packs qui se dirigent vers nous. Mike, t'y vas ! Nous observons des déplacements ennemis vers nos positions. Le commandement décide de nous replier sur une nouvelle zone.
passer en E10, en Echo 10, pour d'observation, afin de voir un petit peu les avancées admises pour le droit d'engager. On fait le rapport d'ici 15 minutes et on évaluera après la situation. Terminé. Nous avons trouvé le camp des marchands d'armes. Et au même moment, l'arrière de la squad est prise à partie. Non, ça va pas. Poupou pour Fred. On nous tire dessus. Si tu as un visuel, explose-les. Je répète, explose-les si tu as un visuel. No, we are not dangerous. You want to take a look? Yes. Take yes. You want a drink? No, no, no. No, no. Si, si. Best problem. You see, we have some guns because we live in Russia. Yes. But we'll try to loot dead soldier. And we repair. You saw that? That's us, we repair it. We are just trying to help. Too many, huh? You shouldn't be here. Too many people. This is Russia. Russia store. Friend. Yes, yes, friend, friend. But. Alors, c'est quoi la nouvelle? C'est des gens qui font du commerce. Ça habite ici depuis 15 ans. Avec. Ils sont bien équipés, on va dire. Ouais, il y a un entre-quatre ici. Ah ouais. Y a seulement pour la chasse. La chasse au buffle. La chasse. Ah ouais. We are looking for, you know, there is a war just ahead, and we deal with who wants. We deal with some Azerbaijan. Everybody can take have a look. Il y a un contact en jean. Je répète, il y a un contact juste derrière le camp là. Mais d'accord, ça va être un B3, je reconnais leur setup. Ces mecs de la B3, ils sont juste derrière le camp, je le vois. My friend! Edouard, bingo! Lucas pour Fred. Le commandement, qu'est-ce qu'il dit? Look, this is our home. Don't fight here. Idi. Le commandement, qu'est-ce qu'il dit le commandement? Best problem, best problem. Best rat of the. Marche. If you stay here, we are going to be killed by the Russians. Prenez des photos. Ne photo. Si, photo. Ne. Les ordres sont clairs. Nous devons faire l'inventaire de leur équipement et transmettre les infos au QG. Nous avons subi une perte lors de notre visite du camp de marchands d'armes. Donc le soldat Paul est tombé. Là on se rejoint en position K6 pour extraction avec les informations qu'on a pu récupérer dans le camp. La Mesacorp est pas très très loin de nous, donc il faut être très prudent sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit et surtout ne pas engager les premiers. Terminé. Nouveaux ordres, nous devons rallier notre squad pour exfiltration. Autour au tir, ils se retireront. La MSR ? Ouais, mais de toute façon, à 5 ça va être super compliqué, enfin à 6 ça va être super compliqué de la situer. Il faudrait demander au MSOC. MSOC qui récupère le vide. Afin de récolter des renseignements sur l'ennemi, un soldat Mesacorp est fait prisonnier.
Le prisonnier, on va peut-être le mettre au milieu de nous, non? Ah, faut le mettre vers le milieu. Ah ouais, je vous ai rien. C'est que Alpha dans le caméra? Ouais, ouais. Non, t'inquiète pas, ça peut entendre. Ouais, ouais, ça... Ça rentre. C'est au pied votre gueule, c'est votre sécurité, parce que là, un jour 5 dans le cul, c'est pas envie. Pas du gars, mais pas du gars. Avant, parce qu'on peut... Tiens. Ouais, vas-y, tu peux remonter. Retour au camp de base. Nouveau briefing, nouvelle mission. Les radios ceux qui sont dans le camp là. L'alpha, on fait un débrief rapide de ce que vous avez. Vous attendez. Et ils m'ont dit de les appeler. Vous filez les infos que vous avez. Il y avait une autre et c'est un truc fait maison. Regardez-le, mettez-le par terre là, il se barre. Oh les gars. Oh les lunettes, mettez-le là, je sais que t'as des chiottes. Hein? Les lunettes qu'il a le. Ça c'est un spécimen. Les munitions sont avec aussi. Tout est fonctionnel. Moi je les vends. Il y a 3 bombes en gros et des téléphones. J'ai pas de camp, j'ai une cabane dans le rue. Je faisais un trou, j'ai fait une cabane dedans. Pas trop là. Je peux vous emmener. J'ai proposé un peu, tu vois. Vous, j'ai proposé déjà à vos amis quand ils m'ont capturé. Et tu faisais quoi quand je chassais? Je chassais le sanglier. Tu réponds ou pas? Chasser. Il y a personne qui nous voit. Personne qui nous voit. Encore. Sûr. Alors. On est beaucoup, hein. On peut vite tourner, hein. Allez. Ça c'est à vous, regardez. C'est à vous. Allez, c'est quoi ta vraie mission? C'était quoi? Ça c'est, je vous ai dit. Dans ma cabane, je vous montre même. T'as une carte? J'ai pas de carte. T'as pas de carte? J'interroge personnellement le soldat capturé. Hélas, il ne lâchera pas un mot. Il sera relâché sain et sauf. Ou pas. Après cet interrogatoire respectant les droits de l'homme, nous continuons sur notre objectif. Les gars, un genou, s'il vous plaît. Pose ta grenade. Pose ta grenade. C'est tout, j'ai découpé. Écartez-vous. Pose ta grenade. Pose ta grenade. Elle est pas découpillée! Elle est pas découpillée! C'est bon? Mettez-vous à terre là! Allez, tu le vends sur le sol! Tu dois l'éteindre, toi aussi! Les ordres du commandement sont tombés.
nous devons prendre à revers le camp Hopfort. Celui-ci se trouve plein sud par rapport à notre position. Nous reformons la squad et nous décidons de partir en camion. Celui-ci nous dépose en lisière de forêt. À ce moment-là, nous tombons sur un petit groupe de soldats qui ne savaient pas trop ce qu'on faisait ici. Surpris, nous décidâmes tout de même de les interroger. Comique ? Ah oui. Comique. Moi, j'aime bien les comiques. On rigole bien avec des comiques. Eh, elle fait chier la carrière pour la réception. Commandement, pour Alpha, vous me recevez ? La squad est sous tension. Nous nous sentons observés. L'ennemi n'est pas loin. À gauche, à droite. Médic! Ah! Le reste de la squad essaye tant bien que mal de contenir l'offensive ennemie. Mais nous sentons que la défaite est proche. Nous demandons en toute urgence un médivac. Nous sommes fatigués, nous avons subi de lourdes pertes. Le commandement décide d'appliquer une nouvelle stratégie. Une action commune avec les différents squads afin d'attaquer le camp fort. Les échanges de tirs se font entendre. Nous sommes à environ 100 mètres du camp fort. Nous sommes en supériorité numérique. Nous avons l'avantage du nombre. Nous allons profiter pour faire le maximum de dégâts.
Popo, longe le grillage. On fait diversion, longe le grillage. Et cueille-les à gauche. L'ennemi tente une contre-offensive. Ils essayent de nous prendre sur le flanc. Nous préférons battre en retraite afin de limiter les pertes. En bas ! Allez, monte. On avance, ils sont en contrebas. Ils nous attaquent à l'arrière, on fait demi-tour. Allez, viens. Il y a un blessé en bas. Il y a Vincent. Le chemin est là, c'est haut. On a eu quoi, 3 pertes ? Ouais. Dernière mission avant la tombée de la nuit. Les gars sont frais, sont reposés et prêts en découdre. C'est à nous ça? C'est quoi ça en face là? C'est quoi? Nouvelle attaque coordonnée sur la position adverse. L'ennemi dispose d'un avantage. Et pas un petit. Ils ont un tank. Ça répond pas, on allume!
Le char est repéré. Nous lançons l'attaque. Nous envoyons toute notre puissance de feu vers cette direction. Faut vous péter, vous êtes péter. Ouais, il voilà. Je vais prendre une grenade dans mon sac. Faut les sortir maintenant. Tu l'as eu? J'en ai eu un, mais il se soigne. Balancez-la une grenade là. Je vous cours. Avance-toi, avance-toi. Bien joué. Ouais. Nos efforts ont payé. Nous avons détruit le char. Et commençons l'interrogatoire des prisonniers capturés. Notre mission était simple. Prendre d'assaut le camp adverse et récupérer deux VIP. Le commandant et le PDG de la Mesacorp. Après de longs combats en périphérie et à l'intérieur du camp adverse, nous parvenons enfin à trouver les deux protagonistes. Hélas, nous n'arriverons à extraire qu'une seule cible. La seconde a réussi à prendre la fuite. Il faut aller chercher le lieutenant Cooper. Il faut sauver le soldat Cooper. Le commandant ordonne un sauvetage spécial. Le lieutenant Cooper a disparu. Il n'est pas revenu de mission. Une expédition est montée. Les ordres sont clairs. Nous devons sauver le soldat Cooper. Le récupérer, il a voulu faire un petit relevé de situation sur le terrain. Puis comme d'habitude, ça s'est mal tourné. Hein. Il y en a qui n'ont pas de chance. Donc on va le récupérer et puis on le ramène. Donc on se fait parachuter à pied. On fait du air parachutage. Dans cette situation, le roleplay est très important. Dimanche matin, récupération du lieutenant Cooper. Il faut sauver le soldat Cooper. Direction position L8. Coupe transmission. Nous déployons le drone. Il permettra de couvrir beaucoup plus de zones et d'identifier plus facilement nos cibles. Nous repérons rapidement qu'il y a deux véhicules appartenant à ceux de la Mesacorp. Nous attendons les ordres avant d'engager quoi que ce soit.
Il est sous le char, c'est à nous, il est là. Ok, ok, il est là. C'est bon les gars, on l'a. Le char est juste là-bas. Où ça? Dans le champ de tout à l'heure. Dans le champ d'hier? Oh là là. Pas bougé. Là. Ouais, là. Il n'a pas bougé d'hier. Et le gars est en dessous? En dessous. Il y a des mécaniques qui courent sur le char là-bas. Ok, ok ouais, les gars. Les gars, on prend, on longe à droite là. On avance comme hier. On traverse le petit chemin. On va à droite, direction le camp de marchands d'armes. Ok, pendant que les autres là, ils attaquent de face, nous on prend le contour. Ok. C'est quoi? Vas-y. Je tire. Oh, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Un peu loin. On avance. On avance. T'avances. Ouais. On avance sur eux. Un message radio nous parvient. Une escouade alliée a retrouvé le lieutenant Cooper près de la carcasse de char détruite la veille. Nouveaux ordres du commandement, nous devons nous diriger expressément vers les deux véhicules que le drone a repérés. Allez, attaquez! On leur roule dessus! Avancez! Ta gueule! Ah! Go, dès que t'es soigné, vas-y sur le derrière. Sur l'arrière. C'est tout là, c'est bon. Là, il respire, il est encore vivant, les gars. C'est bon, ça va le faire. T'as pris un seul shoot, mais t'es encore en vie, au gars. Allez, monte tout tes corps. Sur le carreau. Bon, qui c'est qui est blessé là? Nous commençons l'interrogatoire, car chaque information est précieuse. Et nous les transmettons directement au commandement. C'est vraiment horrible. Ah ouais. Une vraie info. Une vraie info? Ça coûte trop cher. Il y a trop de défauts que tu as en Antarctique. Non, une vraie info de jeu. Une vraie info de jeu? Ça, je suis mon chef. Nouvel objectif, on doit se replier sur notre ancienne position et protéger le lieutenant Cooper. Celui-ci détient de nouvelles informations qui nous seront très utiles dans la suite de la mission. Mais il donne des chasseurs alpins.
c'est très chaud. Ça continue par là le terrain ou pas? Ouais, on peut remonter par là après. Mais c'est. Là on sait pas ce qui se passe. Faut qu'on aille au camion, faut m'expliquer. J'ai hôtel en renfort. Vous pouvez peut-être passer là et hôtel passe sur le côté, ça vous va? Ah non. Ok. Il risque d'être. On reste prudent. Il y a les mecs en bas. C'est à nous, c'est pas à nous. Donc on va aviser clair en tout cœur. Sur la suppression. Ok. On sait jamais, il y a moins des fois, c'est pas. Ok Alpha, Alpha, on avance. Mission extraction du VIP en K14. Ouais. Oh oh. Touche pas. Est-ce qu'il y a un ingénieur ici? Il y a une bombe sur un mur, sur un arbre. Mais dit qu'on en a un. Ok. Donc là, on vient de toper le président de la Mesacorp qui était sur le qui était sur le char. Donc là, maintenant, pour une extraction. Allez, c'est parti. Donc, gérer hôtel. La cible qui avait pris la fuite la veille au soir a été retrouvée. Le président de la Mesacorp n'a pas eu de chance. Il a été capturé par notre agent infiltré. Celui-ci nous attend au point de ralliement pour une extraction. On serait parti, non? Ouais, allez. C'est sûr? C'est sûr? Non, attends, attends. Attends qu'ils ouvrent la peine. Attends qu'ils. Allez, 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 allez. Délogeons le restant des troupes de la Mesacorp. Hélas, une grosse partie a traversé la frontière. Est-ce que t'as des infos sur toi? Oui, je peux te. Au moment, pour le pas, vous me recevez? Il n'y a plus grand chose quand même. Vous êtes décimé? Et tu es seul. Non, ouais. Attends. Ouais, non, jamais. Un dernier fanatique. Nous avons porté un coup dur à la Mesacorp. Mais il reste à donner le coup de grâce. Nous engageons toutes nos forces pour une attaque ultime, massive, sur ce qui reste des ruines de leur base. Nous montons dans le véhicule pour un dernier affrontement. Ah,
Nous avions surestimé les forces restantes. Nos adversaires ont laissé un campement vide, hommes comme matériel. Tout ce bon monde a préféré traverser la frontière. Ce n'est que partie remise. Le camp OTAN est heureux d'avoir remporté cette victoire et a libéré la zone de cette emprise tyrannique. Mais on le sait tous, la guerre n'est pas terminée. Dans l'ensemble, nous avons passé un très bon week-end. Le jeu des adversaires a été à la hauteur de leur réputation. J'en profite pour saluer le roleplay des organisateurs, mais aussi des PNJ et des joueurs. Nous avons participé à de belles missions, les extractions en véhicule étaient ouf, c'est très rare de voir autant de matos sur une OP. Notre commandement a été à la hauteur des précédents. Gestion des troupes, des missions et l'organisation en règle générale. Les missions sont données en temps réel et peuvent être modifiées, changées ou annulées, ce qui donne du dynamisme au jeu. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. L'utilisation de l'application Ares Alpha facilite la coordination des mouvements de troupes et des missions en cours. Les phases de game pure et dure ont été intenses. Nous nous sommes fait plaisir en faisant exploser notre stock de tagines. Les prises de véhicules, les assauts sur les camps et les points d'intérêt communs ont donné du piment et du fil à retordre. Ce type d'OP mérite d'y venir préparé. J'en avais déjà parlé, mais les joueurs présents doivent se donner à 200%. Je sais, ce n'est pas simple d'assimiler autant de règles et les appliquer par la suite, surtout dans le feu d'action. Mais on y arrive. Si vous avez la possibilité de participer à ce genre d'événement, alors feu. Merci à toute l'équipe de Bassin Airsoft, merci à tous les joueurs, on se retrouve très bientôt.